Le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kerima Salé, a présidé cet après-midi la cérémonie de sensibilisation sur la scolarisation des filles, une initiative des membres du groupe Victoria qui a vu la mobilisation des élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire. Varela Dji. Cette campagne de sensibilisation organisée par le groupe Victoria est placée sous le haut patronage du maire du 9e arrondissement. Le thème choisi est « Échec de la scolarisation des filles au Tchad, cas de la commune du 9e arrondissement ». Des sketchs et récitations ont ponctué cette rencontre. Les filles représentent 52% de la marge de la population tchadienne. À cet effet, elles sont les moins scolarisées. C'est pour cette raison que le groupe Victoria sensibilise les parents d'envoyer massivement leur progéniture à l'école, surtout les filles. L'initiative est saluée par le maire de cette commune. Mamad Salé Kerima demande aux organisateurs d'intensifier la sensibilisation dans les ménages de son arrondissement. Selon lui, cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement qui accorde un quota de 30% à la femme. Sachez également qu'une opération de collecte de sang a été lancée par les étudiants de l'Institut supérieur de la santé de l'Université Roi Faisal. Ces derniers s'engagent à donner leur sang pour apporter leur aide aux malades dans le besoin, principalement les femmes enceintes et les enfants souffrant de drépanocytose. Un geste salué par les responsables du Centre national de transfusion sanguine pour ce geste, combien louable. Le lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid a organisé ce matin une cérémonie en l'honneur des lauréats au baccalauréat de l'année 2016-2017. Cérémonie qui a vu la présence de la représentante du ministre de l'Éducation nationale et du recteur de l'université de N'Djamena. Un reportage d'Apolline Gani. C'est la fête au lycée Cheikh Hamdan Ben Rachid. Cet établissement célèbre la réussite de ses élèves au baccalauréat 2017. Cette victoire célébrée dans l'allégresse est le fruit du travail abattu par les enseignants et les filles du dit lycée. L'une des bachelières ne cache pas sa satisfaction. Réussite que je suis en train de savourer aujourd'hui. Je remercie mon père qui a tellement souffert pour moi, qui a tellement sacrifié pour moi. Je l'ai dit. Encourager la réussite, c'est bien cette raison qui a poussé le lycée Cheikh Hamdan à soutenir ses élèves. Le représentant de la fondation Cheikh Hamdan Ben Rachid, Ahmad Mahamat Moussa, estime que cette réussite est une fierté pour l'établissement en général et pour les parents en particulier. La représentante du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Salima Senoussi Abdrahim, demande aux enseignants de garder le même élan et encourage les filles à doubler toujours d'efforts allant dans le sens de la réussite. Ces filles ont remporté le prix d'honneur au baccalauréat tchadien 2016-2017.